Dans la première saison, Paul finissait sereinement sa formation d'interne en médecine générale d'urgence. Aujourd'hui, il va devoir apprendre à gérer le stress qui accompagne ses nouvelles fonctions de médecin senior dans l'un des plus importants services d'urgence de Paris. En sera-t-il capable? Vous n'écoutez pas ce que je dis! Vous voulez que je dis? Allongez-vous, monsieur. Émilie terminera ses études de médecine. Âgée de 29 ans, cette jeune femme est aujourd'hui maman d'une petite fille. C'est quoi ? Pour obtenir un jour le titre de docteur en gynécologie obstétrique, elle va devoir sacrifier sa vie de famille. C'est dur le dimanche soir quand elle s'accroche comme ça. Et en me disant « Non, le pas qu'il parte !» Après un court passage en médecine générale, Jean est en premier semestre dans la discipline de ses rêves, la neurochirurgie. Pour montrer qu'il est à la hauteur de cette spécialité si complexe, il va devoir faire ses preuves devant ses chefs qui ne vont rien lui laisser passer. Hayat est en fin d'internat. C'est son dernier stage avant de devenir enfin docteur. Pendant 6 mois, elle va affronter un service particulièrement redouté de tous, la réanimation. Un service qui va mettre à rude épreuve la sensibilité de cette jeune femme. Ne pas pouvoir faire plus, moi, ça, voilà, ça me met dans cet état-là. Dans la saison 2, David venait de découvrir les responsabilités liées à son nouveau statut de médecin senior en chirurgie plastique et réparatrice. Une période difficile qui avait mis ses nerfs à vif. La taille de merde, ce truc, là. Je fais de l'enculage de mouche. Aujourd'hui, pour faire partie de l'élite, David va devoir apprendre à être un peu plus patient. Hôpital de la Conception, au milieu de la nuit. David est d'astreinte, il vient tout juste d'être appelé pour une urgence vitale. C'est un peu rude là, 3h du matin le vendredi. Je commence à me faire vieux, moi. À peine quelques secondes pour s'habiller, direction le bloc opératoire. Sur la table, le patient est déjà endormi. Ce jeune homme de 22 ans vient d'être percuté par une voiture. Résultat, sa jambe a doublé de volume et présente un énorme hématome. Il faut évacuer le sang de toute urgence. Je l'ai jamais vu en garde encore, ce genre de choses. J'en ai vu quelques-uns, mais je ne l'ai jamais vu en garde. Même si je l'ai jamais fait tout seul, c'est pas, ça ne m'inquiète pas trop. Hein. J'ai quand même assez d'expérience pour savoir un peu vers quoi je m'aventure. Quoi. Le cas est grave, car si rien n'est fait rapidement, c'est l'amputation. Oh putain, c'est vrai que ça saigne dedans. Hein. C'est tout pourri. Sous l'effet du choc, les muscles sont totalement déchirés. C'est pété d'intérieur, quoi. Plus grave, le sang emprisonné dans la jambe est présent en grande quantité. Il faut l'évacuer en totalité. 35 minutes plus tard, l'intervention se termine. David va tout de suite contrôler si la jambe de son patient est sauvée. Bon, voilà. Vous lui avez sauvé la jambe, là, ce patient? Ah oui, bien sûr, absolument. C'est un sauvetage de jambe qu'on fait. Ouais. Ouais. Mmh. C'est vraiment un geste qui est très efficace. Ouais. Mmh. Bon, il va avoir des séquelles, évidemment, hein, mais bon, c'est mieux que de perdre sa jambe. Hein. Il est maintenant 5h du matin. Pas sûr que David arrive à se rendormir.
son patient restera quelques jours hospitalisé dans le service. Il finira par rentrer chez lui, sur ses deux jambes. ...7h30, un samedi matin. Émilie ne va pas passer son week-end en famille. Elle est de garde pour 24 heures. Meunier, c'est le calme avant la tempête. Avant de partir, Émilie fait souvent une pause devant les photos scotchées dans l'entrée. C'est ma fille. Elle vient d'avoir 2 ans. Son papa et moi, on ne vit pas dans la même ville pour des questions de travail. Donc voilà, je la vois 2 week-ends par mois. Ouais. C'est pas beaucoup ça pour une jeune maman? Non, c'est pas beaucoup. C'est dur le dimanche soir quand je rentre de week-end et qu'elle s'accroche comme ça, comme une moule à son bouchot qui veut pas me lâcher en me disant « Non, je veux pas que tu partes !» Elle fait ça? Ouais. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Émilie n'a pas le choix. Si elle veut devenir un jour médecin, elle doit passer par cette étape douloureuse. C'est un sacrifice, mais je vais faire ce pourquoi je me suis battue toutes ces années, passer des tas de concours, des tas d'études longues. Je vais faire ce que j'aime. Aujourd'hui, Émilie a un programme chargé à l'hôpital. Avant de prendre sa garde aux urgences gynécologiques pour la nuit, elle va d'abord enchaîner les opérations au bloc. Parce qu'on est les premiers. Salut, bonjour tout le monde. Pour cette première opération de la journée, Émilie ne sera pas seule. En face d'elle, un senior connu du service pour être consciencieuse, mais surtout très exigeante avec ses internes. Si je pose des questions, qu'elle ne connaît pas les réponses, c'est une étape éliminatoire. Pour faire, il faut déjà connaître la théorie. Sur la table d'opération, une patiente à qui on a diagnostiqué un cancer. Émilie et sa chef doivent réaliser des prélèvements pour en connaître l'origine. L'intervention chirurgicale va être réalisée directement dans l'abdomen, sans l'ouvrir. Une intervention dite sous célioscopie. Émilie est chargée par son senior de réaliser les orifices qui vont faire passer la caméra et les instruments. Alors, est-ce que vous feriez votre incision, madame? Esthétiquement, pour que ça se voit moins chez elle, je la ferai là. Il faut que ça soit sur la ligne médiane. Mouvement, tu replaces. Ah. Oh là là. Enlève ton doigt, qu'est-ce que c'est que ce travail de sagouin? Allez, replace. Mais c'est juste pour sentir de... à travers. Non, tu ne sens pas. Voilà, c'est pas plus joli? Émilie n'en est pas à sa première suture. Cela ne va pas empêcher son chef de lui taper sur les doigts. L'opération se termine. Sans la pression de sa chef, Émilie va tranquillement recoudre les incisions faites par la célioscopie. Elle est rigoureuse et elle ne me laissera rien passer comme ça, ce qui est normal. Hein. Ils sont tous rigoureux et il n'y aura pas de petites choses qui passeront à la trappe. Hein. S'il y a une petite réflexion, un truc qui ne va pas, t'as mal fait ton truc, voilà. Fais le mieux et la prochaine fois, tu ne te feras pas taper sur les doigts. Hein. C'est tout. Parce que là, c'est un peu comme à l'école, là. Ouais, c'est ça. Mais je suis à l'école des docteurs, hein, encore, à l'école de chirurgie. Émilie aura d'autres occasions pour tenter de satisfaire l'exigence de son senior. 3 opérations sont encore au programme ce matin. Hôpital Avicenne, banlieue nord de Paris. Il est 8h. Hayat s'apprête à vivre une garde en réanimation. Cela fait à peine 2 semaines qu'elle a commencé son stage dans ce service. J'espère que ça va bien se passer. C'est un milieu que je gère pas du tout pour l'instant, la réanimation. Enfin, je n'ai jamais fait avant et c'est vrai que ça me stresse un peu d'être à côté de la plaque finalement. Mais bon, j'y travaille. Parce que quoi, on n'a pas le droit d'être à côté de la plaque? On n'a pas le droit à l'erreur. La réanimation, un service particulièrement difficile à vivre pour des internes comme Hayat. Ici, la plupart des patients présentent de multiples défaillances de leurs organes. Des défaillances qui mettent souvent en jeu leur pronostic vital.
Bonjour Madame Lerirousse. Ah bah vous dormez plus là en tout cas. Bonjour Madame Lerirousse. Vous avez pas dormi? Non? Bon, vous avez le sourire, c'est déjà pas mal. Quelques mots échangés, quelques regards, des signes qui peuvent en dire long sur l'état de santé des malades, sur la nuit passée. Tous les matins, c'est le même rituel pour Hayat. Allez-y, respirez. Respirez, boire la bouche, respirez. Il faut ausculter les patients, faire le point sur les traitements en cours. Je vous ai passé un petit peu d'oxygène à forte dose, c'est remonté correctement, hein? Oui. Tenez, montrez-moi le bout de vos doigts. Vous n'avez pas froid au bout des doigts, là? Ça va? Ce patient souffre de problèmes respiratoires graves. Hayat doit vérifier si le traitement en cours fait son effet, si sa respiration s'améliore. Quel âge vous avez? 80. 80? Oui. Ah bah. Vous en avez vu des choses, alors? Oh oui, j'en ai vu. D'accord. Et entendu. Ah bah ça, sûrement. Tenez, pensez à bien respirer par le nez, respirez. Voilà. Gonflez bien. Voilà, c'est bien. Maintenant, respirez correctement. Chaque personne, pour moi, a son importance et il faut vraiment que j'oublie aucun détail, quoi. Il faut que rien ne m'échappe, sinon sinon je m'en voudrais. Je m'en voudrais. Et on vous sent petit soin. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Ils sont mignons, les petits patients. À 7h de la matinée, l'ambiance est assez calme dans le service. Pourtant, en une seconde, tout peut basculer. Dans cette chambre, une alarme. Le cœur d'une jeune patiente vient de s'arrêter subitement. L'ensemble du personnel réagit immédiatement. On va changer le boîtier. Hein. Attends, c'est bon. Attends, c'est bon. En général, elle repart. Elle repart. À chaque fois. Des pauses courtes et avec juste un peu de massage, elle repart. Voilà, elle repart. Fermez les yeux pour me dire si ça va. Ça va. Vous êtes angoissé? Tiens, le petit tube là, ça ne peut pas arranger les choses. Est-ce que vous êtes angoissé? Oui. Est-ce que vous avez mal? Ouvrez les yeux. Est-ce que vous avez mal? Non. Non? Non. D'accord, tenez. Peut-être qu'on peut donner quelque chose, peut-être pour... Le cœur vient de repartir. Suite à une importante infection, la plupart des organes vitaux de cette jeune patiente lâchent un à un. Détendez-vous, il ne faut pas paniquer comme ça, d'accord? C'est un cas difficile pour moi parce qu'elle est, elle est jeune, extrêmement jeune. Et c'est une histoire multi-compliquée pour cette jeune fille. C'est vraiment... je ne sais pas, sur le plan médical, enfin, elle a fait plusieurs complications, elle a fait plusieurs arrêts cardiaques, elle a fait... Ça me stresse, ça me... Sur le plan émotionnel, c'est difficile. Je pense que si se passe un truc, elle, je craquerai, je pense. Voilà. Ça va mal finir, cette histoire. Pendant des semaines, Hayat et ses collègues vont tout tenter pour maintenir en vie cette patiente. En vain. Elle décédera quelques semaines plus tard. Service des urgences, hôpital Bichat-Claude-Bernard, dans le 18e arrondissement. Cela fait plus de 10 ans que Paul attend cette journée. Après ses longues années d'études de médecine, son internat est maintenant terminé. C'est son premier jour de chef. C'est pas ça. Bah, c'est les codes, les vieux codes de quand j'étais interne, mais... Ils sont plus bons. Je crois qu'ils sont plus bons. Voilà. Ah, voilà. C'était la blouse de quand je faisais ma thèse. Bah maintenant, la thèse, elle est finie et je suis bien content qu'elle soit finie. Alors, c'est là que les choses sérieuses commencent.
Ça, c'est les petites antiches sèches. Ça, c'est que des médicaments. On a encore des antisèches quand on est chef? Ah oui. Ouais. Enfin... T'en as, toi? Non. Paul a déjà fait un stage d'interne dans ce service. Du coup, il est un peu chez lui. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis Paul, je suis un nouveau chef. Merci. Enchanté. Voilà, c'est mon premier jour. Hein. Hier, j'étais interne. Oh! Comment tu vas? Et alors? La plus belle? Comment ça? Ah, mais tu sens bon et tout. Mon petit oiseau des îles. Tu vas me faire rougir. Paul ne va pas rire bien longtemps. Bichat Claude Bernard, c'est 250 patients en moyenne tous les jours, un des plus gros services d'urgence de Paris. Des diagnostics qu'il faut trouver rapidement, sans se tromper. Une responsabilité de tous les instants. Un stress en continu pour un jeune senior qui débute. Moi, c'est pas des problèmes médicaux qui me font stresser, hein. C'est la gestion des patients, la gestion du flux des patients. Où est-ce que je vais mettre les patients? Qu'est-ce que je vais en faire? Dans quel hôpital je vais les transférer? C'est plus des problèmes organisationnels. Ça s'apprend pas dans les bouquins, ça s'apprend les mains dans le cambouis. Une première urgence va tout de suite lui en donner l'occasion. En salle de déchocage, un homme fait une crise d'épilepsie. Ils sont partout. Il convulse. On va pouvoir le perfuser. Allongez vous, monsieur, s'il vous plaît. Posez la tête. Pour calmer la crise, le personnel soignant va lui injecter en urgence un puissant tranquillisant. On vous donne le Valium, comme ça, il n'y en aura plus, d'accord? Voilà. C'est fini. C'est bon. Paul est immédiatement prévenu. Il doit vérifier la bonne prise en charge de cette urgence. Pour le Valium, là, tu lui as fait un milligramme de Rivotril? D'accord, laisse-le comme ça. Il faut qu'on note l'horaire des crises. Donc c'était 1h-5. C'était les 4 membres. Boris, les 4 membres, hein, quand on a voulu c'était le... C'était une vraie crise convulsive. Donc il a fait une crise avant de venir et une crise chez lui. OK. Lui, les cardios vont venir le voir, il va monter en cardio. Bon, voilà. Allez. C'est impressionnant quand on le voit et quand on ne sait pas trop ce que c'est, parce qu'effectivement, les patients sont inconscients, ils tombent d'un coup, l'œil était allongé, sinon s'il était debout, il serait tombé. Ouais. Donc c'est impressionnant, mais il n'y a rien d'autre à faire que de sécuriser les lieux, éviter que le patient se blesse plus en faisant les mouvements involontaires qu'il fait quand il est dans le coma, et puis le mettre sur le côté pour, s'il vomit, éviter qu'il inhale et qu'il vomisse dans ses poumons. À la limite, les pathologies les plus graves, finalement, c'est celles où on les connaît mieux. Ouais. Donc, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il ne faut pas faire, et voilà, ça doit rouler autant que possible. Donc, pour le moment, je n'ai pas eu de problème. Je croise les doigts. Mais dans ce service, il arrive que certaines urgences soient beaucoup moins évidentes. Dans un box, une patiente de 73 ans, amenée par les pompiers, attend sagement la visite de Paul. Qu'est-ce qui s'est passé alors un petit peu là? Pourquoi vous êtes arrivé à l'hôpital? Ben, j'en sais rien. D'accord. Je deviens vieille. Ouais. Je deviens vieille. Alors j'écoute juste le cœur et les poumons. Respirez fort par la bouche. Même si sa patiente ne se plaint de rien, Paul doit faire un examen médical complet, écarter l'urgence. Très bien. Bon, je pense que là pour le moment il faut vous garder hospitalisé. Ah bon? Ouais. Il l'a dit. Histoire de faire un peu le point, le bilan. Oui, mais c'est une maladie qui... Ah, je sais pas du tout quelle maladie c'est. Ah, oui, d'accord. Je sais pas du tout. Donc, on garde. Ouais. OK, je reviens vous en dire plus dès que je sais. Mais vous restez avec nous, hein? Oui, on va... Vous partez pas, hein? On verra, OK? Allez. L'équipe médicale a volontairement confisqué les chaussures de cette patiente. Admise une première fois ce matin, elle a déjà fait une fugue. Qu'est-ce qu'elle a, cette patiente? Elle a probablement des troubles... soit des troubles psychiatriques, soit une démence, des troubles cognitifs... qui débutent. Voilà, donc on va voir un petit peu, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Mais bon, faut la garder hospitalisée, cette dame. Paul a très envie de garder cette dame, un peu perdue. Mais aux urgences, le flux de patients est continu. Alors, impossible d'hospitaliser qui que ce soit sans une raison médicale valable.
Son chef de service va très vite lui rappeler cette règle incontournable. Ça va être tendu, hein, en termes de suite d'hospital, j'avoue. Parce que ça, c'est quand même des troubles chroniques qu'elle a. On va pas régler des problèmes, des troubles cognitifs chroniques en urgence, quoi. Est-ce que cette dame, elle peut rentrer à domicile? J'ai peur qu'elle risque de refaire des conneries, quoi. Non, il faut qu'elle rentre. Il faut prévenir son mari, par contre. Okay. Ça roule, oui. Ça. Paul organise le retour à la maison de sa patiente. Il faut maintenant la retrouver pour lui expliquer. Ah, elle n'est pas là. Tu sais où est la patiente qui était là, non? Ça te dit rien? Non? Non, aucune idée. Bon, elle a laissé ses affaires, a priori, il va revenir. Venez avec nous. Vous allez retourner à la maison. D'accord, j'ai eu votre mari au téléphone. Ah bon? Mais il a dû finir par terre? Non, il est à la maison, là. Il va... Ah ben alors, je prends. C'est tard. Alors, il faut attendre. Il y a une ambulance qui va venir vous chercher. D'accord? Vous n'avez pas retrouvé des chaussures, non? Dans votre box. Les avons, les chaussures, on va les voir tout à l'heure. Ouais, ouais. Ah. Restez avec nous, là. Hein. Pour l'instant, Paul maîtrise parfaitement la situation. Pourtant, dans quelques minutes, sa patiente va devenir très difficilement gérable. Jean est du genre motivé dans la vie. Après un premier stage de médecine générale, il décide de repasser son examen d'interne. Le but, obtenir les bonnes notes qui vont lui permettre d'accéder à son rêve, devenir neurochirurgien. Ce matin, c'est le début d'une grande aventure pour lui. Les livres sont très très loin. Ouais. Puis maintenant, il faut continuer à sortir les livres, mais il faut les appliquer maintenant. C'est plus difficile. Pas une minute à perdre pour Jean. Il a hâte de savoir s'il a bien fait de choisir cette spécialité. Ça devrait bien se passer. Jean est un peu tendu. Ce matin, il a rendez-vous avec le chef de service en personne. Avec plus de 25 ans d'expérience, le patron aime l'excellence et rien d'autre. Je vais savoir qu'on va être évalué, observé et jugé. C'est d'être le cas de Jean, là. Bah, bien sûr. Bien sûr, mais c'est le boulot. Hein. Moi, je suis évalué tous les jours, je m'évalue tous les jours, je suis jugé tous les jours sur mes résultats. Et quand c'est bien, tout le monde est content. Quand c'est pas bien, faut l'assumer, faut prendre ses responsabilités. Donc faut qu'ils apprennent ça au berceau. Bon, Jean, t'es prêt, c'est sec, là? Je suis bien. Sur la table d'opération, un patient qui souffre d'une hernie. Le seul moyen de calmer la douleur, c'est de l'extraire. Tout le personnel du bloc connaît parfaitement son rôle. Seul, dans un coin de la pièce, Jean est un peu perdu. Position de terre, là. C'est une position que je ne veux pas voir. Les bras croisés, ça n'existe pas. D'accord. Tu n'as jamais les bras croisés, ni les bras dans l'eau. Tu n'as toujours pas à te dire qu'est-ce que je peux faire pour aider. D'accord? Et tu le dis, tu regardes comment marche ton pli, tu ne sais pas t'en servir, il faut que tu appelles tout ça. Hein. Hein, regarde, tes manipulations de pli, les paramètres qu'on peut apprendre. Hein. On est pilote dans un avion, il va falloir faire toutes les tâches. Hein. Les premières minutes sont un peu rudes pour Jean. Mais c'est loin d'être terminé. Son chef va maintenant tester ses connaissances théoriques apprises à la fac. C'est parti. Confusion. Quel est le muscle? On voit là, le premier muscle, on voit là. Le muscle fossé du cou. Ouais, celui-là. Celui-là, je ne sais plus. Et demain, tu me diras. D'accord. Tu vas prendre parfois la police, c'est quoi d'abord? Qu'est-ce qu'il y a entre la fâche et l'œsophage? La carotide. Ah non. Il y a une carotide, elle prend là. Tu vois pas la carotide? Si. Allez, prends-la ça. Malgré ses petites erreurs, le chef va quand même lui faire confiance. Sa mission? Tenir l'écarteur. Reste bien dessus, c'est ça. Sans bouger. Ta main est en ordre. Pour que son senior puisse intervenir en toute quiétude, Jean doit impérativement maintenir la plaie ouverte. Non, c'est relâché. Tu apprends à bouger le reste de ton corps sans bouger ta main.
Comment ça va, là, avec Jean? Ça va, ouais, ça se passe bien. Il a pas de geste, hein, c'est statique, hein, pour l'instant, ce que je lui demande de faire. Donc, on va voir ça à la fermeture. L'intervention sur la colonne vertébrale est extrêmement délicate. Elle va se faire sous microscope. En premier semestre, Jean a juste le droit de regarder et de ne rien toucher. Vous avez vu le morceau d'hernie qui est parti là? Ah ouais. Là, il y a encore là. Vous avez vu l'hernie, la fisseur là, ici là? Ouais. 30 minutes plus tard, c'est la fin de l'opération. Il faut maintenant refermer la plaie. Moi, les ciseaux. Ça, c'est que tu me donnes une clope dans un bar. Tu me donnes les ciseaux, tu me prends la main. L'instrument doit être donné en position de fonction dans la main de l'utilisateur. Ah, d'accord. Donne-moi les ciseaux. Les minutes deviennent interminables pour Jean, qui ne fait pas grand-chose. Du coup, sa concentration est un peu ailleurs. Ça va, Jean? Sauf qu'elle a des jolis yeux, oui, c'est ça, non? Les affaires, aussi. Mais le patron va très vite l'obliger à se reconcentrer. Des doigts, on les met pas dans les trucs. Est-ce que tu vas les faire ou pas? Ouais. Alors que ça prenne, ça va prendre un petit peu de temps à ouvrir comme ça et à fermer, sans mettre les doigts. Ouais, c'est juste là. Quand t'as les doigts dedans, des fois, c'est pour le truc complètement passé, t'arrives plus à les sortir, n'est-ce pas? Ouais. Hein? Bon, allez. Ça, c'est pour la télé. Hein. Bien. Merci tout le monde. Le contrôle des connaissances aura duré plus d'une heure. Une entrée en matière un peu violente pour Jean. De quoi semer le doute dans son esprit. Pour l'instant, je ne mérite pas ma place. Il va falloir que je la mérite. J'ai des années pour la mériter, mais il va falloir que je la mérite. Si je ne suis pas au niveau, je ne pourrai pas aller jusqu'au bout. Mais c'est... Je sais que ça va être dur. Je sais que ça va être dur, mais c'est ça aussi qui sera gratifiant. C'est de faire quelque chose de dur et d'y arriver. À la fin, on est content. Si on y arrive. Jean aura 6 mois de stage pour mériter sa place. 6 mois pour prouver à son chef qu'il a bien fait de lui faire confiance. h 30, hôpital Nord, service de chirurgie plastique. Bonjour, comment ça va? Ça va. Alors, on se met debout, s'il vous plaît. Et vous êtes sage-femme, il me semble. Oui, c'est ça. Vous travaillez où déjà? À Toulon. À Toulon, ok. Alors, allez. Bon, vous n'êtes pas trop stressé, ça va? Bon, non, à part, j'ai pas dormi, ça va. Bon, vous êtes un peu stressé quand même. Il a fallu plusieurs semaines pour qu'Élodie prenne une décision importante. Changer de silhouette. David doit d'abord dessiner les contours de la nouvelle poitrine de sa patiente. Chaque coup de crayon est de l'ordre du millimètre. La chirurgie esthétique ne souffre d'aucune imprécision. Vous dormez? Non, pas encore. Bonne nuit alors. Hein. Détendez-vous, ça va bien se passer. On se revoit tout à l'heure, d'accord? Je suis pas stressé de la même façon maintenant avant une intervention qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'étais comme ça. Maintenant, j'ai plus de sérénité quand même. Hein. Maintenant, je suis très mécontent quand j'ai un résultat qui est pas parfait. On devient de plus en plus pointilleux et ça, il faut du temps. Ça peut pas. Il y a personne qui peut l'acquérir dès le début. Quoi. Un sens de la perfection que David essaye de transmettre à ses internes dès qu'il le peut. Aujourd'hui, c'est au tour de Julia. Voilà, on va faire l'incision. Allez, c'est parti, hein, je commence. Les ciseaux, s'il vous plaît. David va montrer l'exemple et inciser le premier sein. Une incision parfaite. Allez, Julia. Julia va s'occuper du deuxième sein. Ça? Ouais. Regarde bien ce que tu fais. On regarde toujours ce qu'on fait. Pas trop en extérieur. Hein. Tu fais tout ça jusque-là. Attention à la peau. Hop.
Oh, très bien. Voilà, un coup de bétadine. Les changements de gants, s'il vous plaît. La première partie de l'intervention est terminée. Mais le plus dur reste à venir. Il faut maintenant mettre en place les prothèses. Une affaire réglée en quelques minutes pour David. Ben, ça va faire des gros seins. Ça va faire des très gros seins. Bien. Allez, en face. Allez, Julia. L'incision est très légère et la prothèse volumineuse. De quoi corser un peu la difficulté pour Julia. C'est bien parti. Pense toujours à enfiler le bas de la prothèse, c'est le côté le plus dur. Et en mettant tout ce que tu peux bien au fond. Hein. Allez, allez. On y est presque. Si, si, si. Non, non, on rigole pas. Allez, on continue. Allez. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Elle est trop grosse. Non, 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 elle est pas trop grosse. Voilà, tu vois, tu y arrives. Tu vois, on y arrive tout le temps. Hein. Là, il faut la positionner. C'est pas fini. Par manque d'expérience, Julia n'a pas parfaitement fait glisser la prothèse dans sa loge. Bon, allez, c'est glissé, je sens que... Il faut que je te file un coup de main. David reprend tout de suite la main. Fais voir. Non. Elle n'est pas bien étalée. La minute défile. Pas question pour David d'en rester là. Comme à chaque fois, le résultat doit être parfait. Il en va de sa réputation de chirurgien plasticien. Bon alors, si on pense. De faire travailler les internes, ça augmente le temps opératoire, mais bon, ça fait partie du travail du CHU. Hein. Si on ne m'avait pas formé, je ne saurais pas faire ce que je sais faire maintenant, donc c'est tout à fait normal. Je suis payé à moitié par la fac, donc il faut que j'enseigne, ça fait partie de mon travail, sinon je ne remplirais pas une partie de ma mission. Julia ? Oui ? Vous dites quoi ? J'ai encore beaucoup de trucs à apprendre. Oui, mais je me dis j'ai encore 4 ans. Donc, il est fort, David. Il est fort, ouais. Ouais. Il est fort. On a envie de faire pareil. J'espère que dans 4 ans, je serai comme lui. Ah, c'est bien quand tu dis ça. Dans 5 ans. C'est bien quand tu dis ça. Alors, rien que la salle. Tu peux dire que je suis ton modèle, en quelque sorte. C'est mon maître. Voilà. Alors, elle a 147 de natrémie ce matin. Hayat continue d'apprendre son difficile travail de réanimateur. Savoir prendre les bonnes décisions pour soigner un patient nécessite une solide formation théorique. Ce matin, son senior va tester ses connaissances. Calcul du déficit en eau. Alors, 141 moins 147, enfin 147 moins 141, donc ça fait 6 sur 141. Je suis désolée, c'est moins 140. Ah oui, c'est vrai. Ouais. 7. 7 divisé par 140, mm-hmm. Tu multiplies par 0,6. Et après ? Bah, du coup. Alors, l'idée. L'eau, c'est combien de pourcents du poids du corps ? 60%. Donc, c'est la natrémie de la patiente moins la cible divisée par 140. Mm-hmm. Multiplié par 0,6, multiplié par 0,5. Poids. Ah oui, le poids, voilà. C'est ce qui nous fait 3 litres 900. Donc on lui met... Donc on va lui mettre de l'eau, parce qu'il n'en a pas. Mm-hmm. Et on va lui mettre un peu de sel. Mm-hmm. Ok. Il y a toute la physiopathologie à connaître. Enfin, il y a pas mal de subtilités biocliniques et, à connaître qui m'échappent encore, j'avoue. Et voilà, donc j'aimerais corriger ça et je vais tout faire pour. Justement, je vais travailler dur pour... pour pas passer pour une débile à chaque fois que je présenterai un dossier réanimatoire. En tout cas, ce matin, je sais pas si c'est gagné, mais là... Tu pourras en mettre la FiO2 à 0,25, s'il te plaît. Cette petite interro surprise a réussi à faire douter Hayat de ses capacités de médecin. Un doute qu'elle a besoin de partager avec les autres internes du service.
Moi, je trouve que ce qui est frustrant, c'est justement ça. C'était en fin de cursus. C'est pas être autonome. Et psychologiquement, c'est assez difficile. Hein. 31 ans, tu vas encore chercher un chef, tu vois. Si tu te dis, c'est quand tu vas être... Et finalement, ce que je trouve rassurant, c'est que les chefs eux-mêmes se cherchent entre eux. Et donc finalement, je me dis, ah, pour discuter de l'antibiothérapie, ils sont obligés de se mettre à trois par moment. Bon, c'est rassurant, tu vois. Après, j'avais la honte au début, tu vois. Je me disais, merde, ils vont encore me dire, mais elle sait rien, celle-là, tu vois. Ça va pas ou quoi, non, mais oh. Début de nuit, dans une chambre du service. Cet homme de 64 ans souffre d'un problème respiratoire grave. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Régigny? Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez du mal à respirer? Vous avez du mal à respirer? Qu'est-ce qui va pas? D'accord, vous avez mal quelque part? Vous avez mal quelque part? Où ça? Au ventre? D'accord. Je vais vous examiner. Cela fait 64 jours que cet homme est couché sur ce lit. C'est douloureux, ça, monsieur Régigny? C'est très douloureux? Vous avez mal quand j'appuie ou spontanément, même quand j'appuie pas? Quand j'appuie? D'accord. Même s'il souffre de douleurs abdominales, le vrai problème est ailleurs. Monsieur Régigny, regardez-moi. Voilà. Qu'est-ce qui va pas? 64 jours sous assistance respiratoire, à ne pas pouvoir se lever, à ne pas pouvoir parler. Écrivez, dites-moi ce qui ne va pas. Tenez. Une situation qui est devenue aujourd'hui insupportable. Pourquoi vous dites ça, monsieur Régigny? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. C'est quoi? C'est cette hospitalisation prolongée qui vous... Ouais, mais j'entends bien. Je comprends que vous en ayez marre, mais c'est vrai que malheureusement, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Là, vous voyez bien que ça va déjà mieux. On a retiré les drains. Au niveau de la respiration, c'est déjà mieux. Promis, dès demain matin, je rappelle la psychologue, vous puissiez aussi vous exprimer, d'accord? Je suis là toute la nuit, de toute façon, jusqu'à demain matin, je repasserai vous voir dans la nuit. J'ai droit à un demi-sourire? Même pas? C'est pas grave, je l'aurai. Il en a marre. Pour évacuer le stress de la journée, l'équipe soignante plaisante un peu bruyamment au fond d'un couloir. Quelques rires qui ne plaisent pas à tout le monde. J'ai compris ce que vous vouliez dire. J'ai compris. Mais je pense qu'il y a... une compréhension. Je vais faire passer le mot, monsieur Régigny. D'accord? Je repasse vous voir tout à l'heure, monsieur Régigny. D'accord? De ne pas pouvoir faire plus, moi, ça me met dans cet état-là. Tout simplement. C'est... J'ai fait médecine pour sauver des vies, pour vraiment être utile, pour être là. Et finalement, je me rends compte avec le temps et l'expérience que par moment, il faut savoir juste être là, juste écouter. On ne peut pas toujours être dans l'action, parce que finalement, même dans l'action, par moment, ben, on fait rien, finalement. On peut rien faire de plus, quoi. Hayat se sent impuissante. Mais elle va tout faire pour sortir son patient de cette situation si pénible. Retour aux urgences.
À 7 heures de la journée, toute l'équipe médicale fait le point sur les patients admis dans le service. Dans la pièce, la patiente un peu fugueuse de Paul attend sagement son ambulance pour rentrer chez elle. Les minutes passent et la vieille dame commence à stresser à l'idée de rentrer chez elle. Non. On va vous mettre une robe de chambre et vous allez vous installer là, d'accord? Ça, mais une autre fois. Hein. Non, maintenant. Non, écoutez. Non, mais la robe de chambre, vous allez voir. Attendez, la robe de chambre, c'est la mienne. Alors ça, vous allez vendre mes chambres. Ah non. Non. Mais enfin, c'est incroyable. Pardon, excusez-moi. Bonjour. Oui. Posez-vous, regardez-les si vous voulez. Il n'y a pas de souci, on ne veut rien vous prendre. Non, parce que je vais finir par aller par l'arrière. Oh, mais écoutez, je peux vous gazer, là, à la fin. Bon, allez. Moi, j'appelle la police, enfin, c'est pas croyable, ça. Allez, allongez-vous. Encore ça, madame. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, j'ai dit non. Oh, non, mais c'est pas possible, j'ai plein de problèmes, merde. La situation se complique. Une infirmière vient prévenir Paul. Je ne veux pas. Il faut prendre une décision. En qualité de médecin senior, c'est à lui de le faire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu votre mari au téléphone. Quand? Bah là. Vous allez retourner à la maison. Pourquoi faire? Oh, c'est cette dame-là qui... Vous voulez pas vous asseoir? Vous voulez me tuer, vous? Non. Vous si dites, vous non. voulez me tuer... Vous voulez pas vous asseoir? Allez, vous. À cet instant... La patiente de Paul a totalement perdu la raison. Impossible qu'elle rentre chez elle dans cet état. Pour éviter qu'elle ne se blesse, l'équipe va immédiatement réagir. Non. S'il vous plaît. Lâchez. Chacun connaît parfaitement son rôle. Mes lunettes sont cassées. Non, elles ne sont pas cassées. Voilà. Je vous sens très angoissée, là. Est-ce que vous voulez prendre un petit quelque chose pour être moins angoissée? Hein? On va vous donner un petit médicament. Vous voulez le boire? En pareilles circonstances, le règlement des urgences est clair. Paul doit proposer un sédatif par voie orale à sa patiente. Je vous en prie. Vous voulez? Vous voulez pas? Bon, ça ne marchera pas. Allez, le brancard n'est pas bloqué. C'est l'échec. L'équipe n'a plus vraiment le choix. Il faut immobiliser la patiente d'urgence... avant qu'elle ne se blesse. Voilà. Allez vers moi. Voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà. D'accord, ça ira. Là, vous êtes trop angoissée. Pourquoi vous avez ça? Trop angoissée. Vous risquez de vous faire du mal. Assez-moi là. On est obligé de vous contentionner. D'accord? On va faire une petite piqûre. Pour que vous soyez beaucoup moins angoissée et plus calme. Attendez, là, vous me griffez, vous me faites un peu mal. Là, hein. Lâchez la main. Non. S'il vous plaît. Excuse-moi. Je vous la prends la main, mais lâchez. Non. Au secours. Lâchez-moi, je vous en prie. Vas-y. À aucun moment, Paul ne va perdre ses moyens face à l'agressivité de sa patiente. On essaye que ça ne soit pas brutal, madame. Au secours. Lâchez-moi la main, madame. Là. Autant, s'il vous plaît. Essayez de vous allonger. C'est bon. Voilà. Mais pourquoi vous allez là? Je récupère ma main, madame. Parce que j'en ai un peu besoin, là. Hop, merci. Ouais. Allez, je reviens vous voir tout à l'heure. Je peux te laisser, Alain? C'est bon? Je vais prescrire. Qu'est-ce que vous voulez prescrire? Bah, c'est les urgences. Cette dame, tout à l'heure, elle était calme, même si elle présentait des troubles un petit peu cognitifs, des petites hallucinations peut-être. Il semblait qu'elle pouvait retourner à la maison, et puis là, tout d'un coup, sa maladie fait qu'elle est très, 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 très agitée. Et là, on se rendait compte que bah, voilà, la faire retourner à la maison, c'est pas très, très raisonnable. La vieille dame va passer le reste de la journée à dormir, sous l'effet d'un sédatif. Lorsque Paul le jugera possible, une ambulance finira par la ramener chez elle. Retour avec Émilie aux urgences gynécologiques. Et il est où, le piou-piou? Je sais pas, je l'ai perdu. Allô? Florent, oui, c'est Émilie. Tu as fini? Est-ce qu'on peut voir la dame qui était en attente ou pas? Ok. Allez, salut, à plus. C'est qui vous appelez le piou-piou? C'est l'externe. Pourquoi piou-piou?
Parce que ce sont des apprentis piou-piou. C'est un terme sympa, hein, Mickaël. On les couve, voilà. C'est pour ça. Avec son externe, elle va prendre en charge une femme en urgence. Enceinte d'un mois, elle est très inquiète concernant l'état de sa grossesse. Une collègue de travail l'accompagne. Vous êtes enceinte, voilà. D'accord, et vous avez eu des saignements. Et c'est comme les règles, hein, les saignements. Vous avez mal au ventre ? Juste en bas du ventre, en fait. Je suis sur le côté. D'accord. Je vais vous examiner ? Oui. D'accord. En fait, ce n'est pas Émilie qui va faire l'examen, mais son externe. Comme elle, lui aussi doit apprendre à gérer une urgence gynécologique. Ça va ? Alors, cherche-moi l'utérus, s'il te plaît. Soit souple, laisse-moi faire. Voilà, tu le vois ou pas ? Plus vers le fond. Émilie doit chercher si l'embryon est présent et toujours en vie. Gel. Alors, tu appuies sur les petites croix, là. Tu peux refaire une mesure. Vas-y, entraîne-toi. Super. Elle va maintenant prendre tout son temps pour expliquer à sa patiente la situation. Donc pour l'instant, on fait le tour du propriétaire, si j'ose le dire. Donc en fait, on a vu votre utérus. Je ne vois pas pour l'instant de grossesse dedans. Les trompes ou autre chose, je ne vois rien du tout, d'accord ? C'est une situation qu'il faut éliminer parce qu'elle peut être dangereuse, d'accord ? Ce qu'on appelle une grossesse extra-utérine. Là, on ne voit rien. Donc plusieurs hypothèses. Soit on ne voit rien parce qu'il n'y a rien à voir, on est trop tôt. Soit on ne voit rien parce qu'il n'y a plus rien à voir. Ce pourquoi je vous propose, on fait une prise de sang, on voit où on en est. Si effectivement c'est négatif, c'est que vous avez fait ce qu'on appelle une fausse couche. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que j'ai été claire ? J'arrête de vous embêter. Vous allez pouvoir vous rhabiller. Même si Émilie ne veut pas être catégorique, il y a de fortes chances que sa patiente ait fait une fausse couche. Donc je vous remets l'ordonnance pour les faire dans 48 heures. Et on vous tiendra au courant. D'accord ? Ça va aller ? Ouais. Votre ami va vous soutenir. Vous travaillez aujourd'hui ? Je vous arrête. Ça va pas trop la frite. Si ça va pas, si vous avez mal au ventre, des saignements, vous revenez me voir. Moi ou mes collègues, hein, je dis ça, ça peut être demain. Il y a toujours quelqu'un ici. D'accord ? Elle avait les larmes aux yeux, elle s'attendait pas à ça. C'est pas facile, il y a des fois j'ai envie de pleurer avec elle parce que je sais que c'est triste et puis l'émotion c'est communicatif des fois. Mais bon. Sinon je pleurerais avec toutes et puis voilà. Maintenant c'est quelque chose de tristement fréquent et faut savoir passer au-dessus quoi. Tu prends la suivante, Florent, t'attends pas que je te le demande. Et puis moi, je vais aller voir celle-là. Pendant cette garde, Émilie n'aura pas une seconde pour souffler. Elle va enchaîner les urgences gynécologiques venant de toute la région. Et à chaque consultation, elle doit s'adapter aux nouveaux cas cliniques de sa patiente. Des cas souvent très différents les uns des autres. Racontez-moi un petit peu ce qui vous arrive alors. Hier, je me suis décidée à faire un test. Oui. Qui s'est arrêté d'être positif. Et depuis 2-3 jours, j'avais très mal en bas du ventre à gauche. D'accord. Maintenant, à savoir si c'est une fausse couche. Une grossesse qui évolue. Vu les saignements, bien, normalement. On va voir, hein. On peut pas. C'est pas une grossesse désirée, donc. D'accord. Si ça pouvait juste être une fausse couche, ça serait pas mal. D'accord. Il est 22h. Émilie va enfin pouvoir faire une pause et consulter sa boîte vocale. Je sais pas combien de fois je suis en train de sonner depuis le début. Oui, allô ? Son mari lui a laissé un message important, il y a maintenant plus d'une heure. Je viens d'avoir ton message. Elle vomit toujours ? Elle n'a pas la diarrhée ? Elle n'a pas de fièvre ? Elle se plaint de rien ? Enfin, elle a un comportement normal. Mais elle avait le pyjama trempé et le body. Ah, content, papa. La mauvaise nouvelle a fait son effet. Sa fille est malade. Ce soir, Émilie est de garde à l'hôpital. Impossible d'aller la rejoindre pour la soigner. C'est pas un peu dur, ça, quand même, pour une jeune maman comme vous ? Oui, si, c'est dur, un peu, mais... Mais elle a son papa et elle est rassurée d'être avec lui. C'est comme ça.
Demain, dimanche, Émilie restera toute seule dans son appartement. Elle devra attendre le prochain week-end pour serrer enfin sa fille dans ses bras. Service de neurochirurgie, 8 heures, l'heure du staff. Pendant cette réunion, l'ensemble des médecins étudie au cas par cas les interventions de la journée. Mais Jean n'aura pas l'opportunité de rester jusqu'au bout. Il va recevoir un coup de fil du bloc. Allô ? Vous sortez ? Oui, parce qu'il est 8h30, donc il faut qu'on aille au bloc. Cette patiente a de violents maux de tête. Dans son cerveau, le liquide céphalo-rachidien ne circule plus. Un canal est obstrué. Si rien n'est fait, elle peut tomber dans le coma. Pour la sauver, il faut faire d'urgence une dérivation pour évacuer le surplus de liquide. Le trou, il va falloir le faire ici. L'idée, c'est de faire un trou par là, quoi. Cette opération très pointue demande énormément d'expérience. Jean va être chaperonné par le médecin senior. C'est lui qui sera chargé de tout lui apprendre pendant ses 6 mois de stage. Dès le début de l'opération, son senior va tout lui expliquer. Donc, caméra, lumière. En particulier, la façon de réaliser le trou dans la boîte crânienne. Bistouri froid, ça se tient comme ça. Tu poses l'index pour stabiliser et tu vas franco. Encore jusqu'à l'os. Le trou te trépend, donc c'est vraiment une main généralement posée sur la tête du malade pour te stabiliser. Tu le prends comme ça, à pleine main. Tu te mets juste au contact de l'os, tu l'allumes et tu appuies pour te stabiliser. Mets de l'eau là, de l'eau. Vas-y, dis-moi comme ça, c'est tout. Stop. Voyons, elle a un crâne de bretonne, hein. Arrive le moment le plus délicat de l'opération. Faut pas que ça bouge, parce qu'une fois qu'on est au fond du cerveau, si ça bouge, c'est la catastrophe. Hein. De 2 mm, voilà. Pour intervenir à l'intérieur du cerveau, il faut faire entrer une caméra qui va passer à quelques millimètres d'une zone ultra-sensible. Et en avant, qu'est-ce qui forme le bord antérieur du foramen interventriculaire ? Pilier antérieur du fornix. Pilier antérieur du fornix, c'est-à-dire le fornix. Quoi comme information du point de vue fonctionnel ? La mémoire. La mémoire. Donc si on mobilise ce pilier du fornix, les patients peuvent avoir des troubles de la mémoire en post-opératoire. Okay. Donc il faut faire attention à ça. Il faut que tu connaisses bien l'anatomie intraventriculaire, hein, sur la ventriculo, comme ça. Hein. À cet instant, le senior doit dilater une partie du cerveau à l'aide d'un petit ballon qu'il va gonfler pendant une minute. Un passage qui va permettre d'évacuer le liquide en surplus. On dilate pendant une minute, comme ça, ça fait l'hémostase en même temps et ça permet à l'orifice d'être bien agrandi. D'accord. Jean, remets ta main toujours pour soutenir. On sait jamais si le bras lâche. D'accord. Ça, c'est super important. Hein. Ça fait une minute. Ouais. Dégonfle, Cécile. Donc l'intervention est finie. Ah, attends. Hop. Maintenant, il faut fermer. Tu fais 2 points de sous-eau et puis un surjet simple. Le seigneur de Jean veut maintenant tester les capacités de son élève. Il va donc sortir du bloc et le laisser seul devant sa suture. Une confiance mesurée tout de même. À travers la vitre, le senior n'en perd pas une miette. Le geste me paraît plus assuré déjà. Il ne partira pas sans vérifier le travail de Jean. Ah oui, ça c'est le retour de la médaille, oui, c'est sûr que... C'est bon ? Pas de soucis ? Voilà. Bon, parfait. Allez. Comment vous vous sentez là ? Ça va. Plus détendu que l'intervention avec le grand patron, donc ça va. Donc, première petite marque de confiance qui fait forcément plaisir. Une simple suture, mais un vrai pas en avant pour Jean. De quoi le mettre un peu plus en confiance pour les autres blocs de la journée. Paul continue de découvrir sa nouvelle fonction de médecin senior débutant aux urgences. Un statut qui l'oblige également à gérer l'apprentissage des internes. Lucie, tu vas reprendre comme transe. Parce que je suis désolé, là, faut que je gère le machin. Tu vas reprendre comme transe, Madame Loss. Elle a eu son scanner, faut récupérer le compte-rendu. Dès qu'on a le compte-rendu, il y a la PL à faire. T'as déjà fait des PL ? En étant externe, oui. Oui, bon, bah voilà, tu sais faire des PL. OK ? Allez, on a encore 2 heures à tenir avant la relève.
Paul est fatigué, mais comme souvent, il n'ira pas dormir. Un patient vient d'arriver en urgence. L'homme souffre depuis plusieurs jours d'une détresse respiratoire. Son cœur vient subitement d'accélérer, mettant sa vie en danger. C'est normal, mais vous n'allez pas mourir. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous faites un souci cardiologique. C'est le cœur qui s'emballe, qui fait que vous n'êtes pas bien du tout. Donc on passe les médicaments, on va les refaire petit à petit. C'est en cours là, on est en train d'essayer de vous soulager, d'accord ? Paul vient de prescrire un traitement qui doit ralentir le rythme cardiaque de son patient. Et là, ça commence à aller peut-être un petit peu mieux quand même, non ? Vous trouvez pas ? Ouais, puis je pense. La minute passe, sans résultat. Paul demande l'aide d'un chef plus expérimenté que lui. Écoute, il est pas bien, là, on continue à le titrer, j'ai toujours pas mis la seringue, mais il baisse pas sa tension. Est-ce que tu pourrais passer le voir, qu'on lance un petit peu la VNI ensemble ? Je pense que ça risque de mal tourner. Ce monsieur, s'il répond pas à la VNI, il va être intubé, hein. Non, ok. Très bien, ok, bon, je vais appeler les RER. Ça roule, merci, au revoir. Les choses se compliquent pour Paul. Arrivera-t-il à trouver une solution pour sauver son patient ? Dans le prochain épisode, David va retrouver Pierre, un interne qu'il forme depuis 3 ans. Ensemble, ils vont gérer une fracture de la main techniquement très complexe. David va lui faire confiance jusqu'au bout. C'est pas dans la phalange. J'ai senti que ça résistait trop. Alors qu'une de ses gardes en réanimation était presque terminée, Hayat va être confrontée à une situation qu'elle redoute depuis le début de son stage, la mort d'un patient. Un choc pour cette jeune femme qui va remettre en question sa confiance en elle. T'as pas à t'en vouloir de quoi que ce soit. Si ça arrête comme ça, t'as rien à comprendre. Jean va connaître la première urgence vitale de sa carrière de neurochirurgien. Étape par étape, son senior va tout lui montrer, tout lui expliquer. Tu la vois la première ce soir, la prochaine, tu la fais. Hein. Parce que tu t'apprends de sa vie. Émilie va se surpasser au bloc opératoire pour que ses seniors lui fassent confiance. Une débauche d'énergie qu'elle va finir par payer cash et qui va compromettre la suite de son stage. Là, je me retrouve à la place du patient. Là, j'espère que je ne vais pas être trop longtemps absente pour pouvoir valider mon stage.